Learn French with easy and simple short story. Le petit oiseau courageux. Dans une forêt dense, il y a un petit oiseau nommé Pierre. Pierre est différent des autres oiseaux. Il ne peut pas voler. Mais il a un grand rêve. Pierre regarde les oiseaux voler haut dans le ciel avec admiration. Il rêve de voler comme eux un jour. Un matin, Pierre se réveille avec une idée audacieuse. Il veut apprendre à voler et il sait que cela ne sera pas facile. Pierre commence sa quête pour apprendre à voler. Il demande de l'aide aux oiseaux qui volent dans la forêt. Les oiseaux, impressionnés par la détermination de Pierre, décident de l'aider. Ils lui enseignent tout ce qu'ils savent sur le vol. Pierre commence à s'entraîner. Il essaye de sauter de branche en branche pour apprendre à planer. Pierre échoue plusieurs fois, mais il ne perd jamais espoir. Il continue de s'entraîner encore et encore. Après des semaines d'entraînement, Pierre est prêt. Il se tient au sommet de l'arbre le plus haut. Pierre saute dans l'air avec tout son courage. Il bat des ailes et commence à voler, même s'il ne peut pas voler très haut. Pierre se rend compte qu'il peut voler, même s'il ne peut pas voler aussi haut que les autres oiseaux. Il est heureux. Pierre retourne à la forêt et remercie ses amis oiseaux pour leur aide. Pierre a appris que même si on est différent, avec de la détermination et de l'aide d'amis, on peut réaliser ses rêves. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du petit oiseau courageux, Pierre. Question 1. Quel est le rêve de Pierre? Question 2. Pourquoi Pierre est-il différent des autres oiseaux?
Question 3. Que décide Pierre un matin? Question 4. Qui aide Pierre dans sa quête pour apprendre à voler? Question 5. Que réalise Pierre à la fin de l'histoire?